Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, j'ai complètement chié mon intro, pardon. J'ai la voix qui est partie en couille, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon, chers amis, donc toujours dans la Playroom. Donc nous avions prévu, chers amis, donc là cette fois c'est une session de deux épisodes, une session de minimum deux épisodes en tout cas. Nous avions prévu de faire les quêtes pour la réputation Agnot Independence, si je ne me trompe pas, de tête, hein. Moi ça fait quand même quelques jours auxquels j'ai pas pu toucher à ce jeu, enfin j'ai pas souhaité toucher à ce jeu pour ne pas me foutre dans le baba. Ok, c'est cool. Elliot, pardon. Donc nous sommes mission de surface disponible, livraison express. Eh bien écoutez, on va descendre. On doit aller à 9 années-lumière et descendre sur la planète pour donc délivrer littéralement des cartouches alimentaires. Bah écoutez, on va l'accepter. Si le jeu veut bien. Parfait. Nous n'avons rien d'autre. Bah écoutez, on va commencer par ça déjà. Donc, nous devons aller très précisément. LT14019. Sur Ronde d'Alembert Observatory. C'est marrant comme nom. Alors. LT. Donc elle est à 9 années-lumière, non? Et ici. Hop, décoller. Ah oui, tangage bas. X, Y. Donc droite, gauche. Là c'est droite. Là c'est gauche. Poussée droite. Poussée gauche. Poussez haut, poussez bas. L'accélération est déjà à fond. Décélération. Train d'atterrissage, c'est celle-ci. Pardon. Déploiement des armes. C'est bon. Cible à 12h. Hop. Tir principal. Loop. Voilà, bon. Hop. J'avais prévu ça pour le précédent épisode. Enfin, pour le. Dans le précédent épisode, justement. Hop. Nous voilà repartis. Avec notre Python, chers amis. Excusez-moi, j'en chie. Ouah, j'en chie. Alors. Vous pouvez éviter de rentrer dans le bâtiment qui était derrière. D'accord, tout est sorti, c'est génial. Hop, on va y aller, on va y arriver. Hop. Ok, c'est parti. Pleine puissance, monsieur Zulu. Oh, le beau soleil. Le beau soleil. Encore une fois, je rappelle que vous êtes à même, entre guillemets, de commenter et de m'indiquer, si vous le souhaitez en tout cas, donc une couleur d'interface. Avec screen si possible, hein. Et donc les sur l'application. Alors, je pense que je mettrai le site directement pour le faire dans le descriptif de la vidéo. Il me faudra s'il vous plaît aussi au passage donc un commentaire visant à me dire si oui ou non on garde toujours le contraste entre les différents objets qu'on voit par exemple sur la minimap actuellement là. Vous voyez des objets gris, jaune, vert. Si ce contraste est toujours facilement identifiable. Et si bien sûr la couleur est intéressante. Donc on la mettra je pense sur Astropole, hein. On verra bien ce que ça donnera. Voilà, excusez-moi, je tousse encore, hein, je suis encore malade. Je n'arrive pas à m'en dépatouiller. Bon. J'aurais peut-être dû garder l'adresse de la zone. Merde. Urgence trop près, mais je viens d'arriver. What? Te fous de ma gueule là. Donc 9 années lumière, je vais juste vérifier ça chers amis. Hop. 78 sur Saïe Majoré, c'est exact. Hop. Alors, Robinson, non. Ronde à Lambert. Putain, 131 SL. On n'est pas rendu. Alors.
Hop. Ça fait chier pour les 2% de dégâts là. Ok. Ah, il va m'indiquer un vecteur d'évitement moisi. Hop. Température à 100%, mais bien sûr. Mais fais exploser mon vaisseau tant qu'à faire, vu que t'as l'air d'avoir envie de le faire. C'est bon? T'es calmé? Putain. Incroyable ça! Ah là, épave récupérable, non! M'intéresse pas! Allons-y! T'as quand même 130 aisselles à parcourir, c'est pas rien! Merde à la fin! Alors, moi je vais boire un coup! En tout cas, je suis content, je viens de tourner 2 épisodes de commande Robocraft avec 3 victoires sur 4 parties, c'est génial! Enfin bon! Alors, 2 heures par contre de route, ça va pas le faire. Hein. Falloir que t'accélères un petit peu, mon petit vaisseau. Je t'aime bien, mais faut que tu te bouges le fion. J'ai pas que ça à foutre, comme dirait l'autre. Alors, accélération. Bon, en tout cas, moi, ce jeu me plaît toujours autant. C'est vrai que Planetary Landing, je le trouve pas effectivement très... Comment dire ? Utile, enfin, il faudrait pouvoir sortir du vaisseau. Vous voyez le truc, sortir du vaisseau et sortir du, comme bien sûr, du comment, du scarabée, du VRS. Moi, ce que je pense, c'est que ça va falloir que ça vienne vite, ça. Et surtout, bah, le côté planète très très plate. La plupart des planètes sont plates, hein, ou presque. Hein. C'est pas top. Franchement, moi je m'attendais à des caves. Je m'attendais au moins à des caves dans les planètes. Vous savez, on arriverait dans le truc et hop, il y aurait une cave et on irait miner pour de vrai. Alors que là, c'est chercher un caillou. Vous avez trouvé un caillou. Tirez sur le caillou. Vous avez réussi à tirer sur le caillou. Non, non, je trouve que franchement, là jusque là, Horizon est une petite déception. Enfin, n'est pas une petite déception. N'est qu'une petite réussite. Franchement. Je m'attendais à beaucoup mieux. Alors vraiment, à vraiment beaucoup mieux. Hein. Bon bah écoutez, il reste encore un an de... Enfin, quelques mois bien sûr de... Il y a un an total de saison. Hein. Donc jusque là, je pense qu'on ne devrait pas trop pouvoir s'ennuyer. Mais il faut que ça vienne vite. Il faudra que ça vienne très très vite. Il faudra pas qu'il nous fasse chier non plus avec des tonnes de... Comment ça s'appelle? De bêta. Parce que ça va pas être efficace, remarque. Vous me direz, j'ai encore mon piton, j'aurai mon piton dans la bêta, mais... Ce sont toutes les SIA des bêta, chaque mise à jour, chaque grosse mise à jour. Bien sûr, vos amis, vous aurez en avance la bêta. Hein. Je vous rappelle que j'ai acheté le jeu avec les accès à la bêta pour cette saison. Du coup, vous aurez des previews, entre guillemets, de ce que sera le jeu avant la sortie officielle, donc, de cette mise à jour. Enfin, de ces mises à jour. Ce qui, pour moi, n'est pas rien, parce que, bon, pour moi, ça permet de voir à quel point le jeu est à même d'évoluer et de voir si... Si, bah écoutez, si ça va le faire. Mais là, on est vraiment parti encore une fois pour un an d'Elite Dangerous. Littéralement, hein. Ce jeu, moi, c'est un sandbox. Hein. Tant que j'aurai des choses à faire dedans, je continuerai à le faire. Hein. Regardez là, pour Elliot, c'est pareil. Hein. Après, il me reste, regardez, juste pour rigoler, il me reste tout ça à faire. Hein. Je suis rang de combattant 95%. Fédération, je suis à peine amical. J'ai passé un rang de niveau de leur rang militaire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas du tout. Non, c'est pas le bon bouton. C'est celui-là. Hop. Voilà. Bah vous savez quoi, je vais faire une ellipse, chers amis, parce que oui, on a encore pour longtemps de déplacement. On se retrouve tout de suite. Voilà, chers amis. Alors, on approche. Ronde à l'envers, observatoire. Alors, on n'est pas dans le bon côté de la planète.
la jolie lune à gauche. Et en plus on va être dans le côté... Est-ce qu'on va être dans le côté lumineux ou pas? Ou est-ce que ça va être de la Perpetual Night? Holy hell. Holy hell. Orbital flight engaged. Ah oui, vas-y, engage. Alors. Moi ça va être l'occasion de pouvoir vous parler un petit peu, chers amis. De plusieurs choses, en l'occurrence. Par exemple, de l'avenir du jeu. Alors, les développeurs ont décidé de prendre appui, entre guillemets, sur les... comment dire? Les fanarts, entre guillemets, ce que les fans auraient aimé avoir comme interface avec les différentes factions, pour en fait donner en fait un visage à chacun des personnages, des factions que vous connaissez à l'heure actuelle, des sous-factions que vous connaissez à l'heure actuelle. Et donc en fait, à chacun des donneurs de quête en fait, littéralement. Et donc ces donneurs de quête, hop, vous donneront accès à ces quêtes via une interface où on pourra voir leur visage et qui donc donnera une sorte d'initialisation de la descente, parfait. Hop, là on remonte. Crac. Annulation de la descente. Heureux, chers amis, n'ayez pas peur, vous n'avez pas raté grand chose, juste l'atterrissage. Hein. Encore une fois, un bug. Un étrange bug. En plus, quand j'arrivais sur la station, en fait, ce qui fait que je vous avais pas raté grand chose, c'est parce que quand je suis arrivé sur la station, il me proposait une autre. Enfin, la faction qu'il me. Que j'avais pris la quête était différente. Donc, grosse surprise, je vous retrouve après le chargement. Voilà, heureux, chers amis. Alors. En espérant que cette fois-ci ça ne bug pas. Apparemment c'est quand je suis rentré, comme vous avez pu le voir normalement, c'est quand je suis rentré dans l'atmosphère que ça... Enfin dans la... pas dans l'atmosphère justement, il n'y en a pas. Sur la... à l'intérieur de la planète littéralement, dans la partie intéressante de la planète, entre guillemets, la partie horizon de la planète, que ça a planté. Donc vous voyez en fait ça me proposait donc la... Voilà, Alcor indépendant. C'est pas pour eux que je l'ai fait pourtant, enfin bon. Pourquoi pas, Alcor indépendant, amical. Aha. Aha. On recherche les transporteurs de ferraille pour le stène. Ah bah voilà, en plus j'y vais, ça tombe bien. Bah écoutez, on va faire donnant. Littéralement, c'est donnant. Hop, cargaison, c'est pas pour là-bas. Eh bah écoutez, on y retourne. Fou. Une demi-heure pour arriver jusqu'ici, par contre, pour le reste, ça va vite. Hein. On décolle, c'est parti. Ronde à Lambert, observatory. C'est parti! Hop, oh, le drone qui passe devant. Hop les. Nous voilà partis! Boost! Nous sommes à 1 km d'altitude. Nous sommes à 2 km d'altitude. Nous pouvons donc commencer déjà destination cible masquée. Quel dommage. Où est-elle? Oui, effectivement, elle est bien masquée en plus. Hein. Bah écoutez, on va la désactiver. Vecteur d'évitement, il est là. Et on y va. On a 5 km d'altitude. 6 km d'altitude. 7 km d'altitude. On refait un petit chargement pour la détecteur de découverte. Rien du tout, pourquoi pas. Ok, nous sommes à 25 km, 30 km, 40 km. Ça secoue, 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 ça secoue. 100 km. Ça secoue, c'est moi qui fais les secousses, bien sûr. 200 km. C'est bon. Alors, où es-tu, trou du cul? Es-tu encore planqué derrière la planète? Non, c'est bon. Allons-y. Je sais même pas à quelle station il faut que j'aille donner tout ça à moi. Townsend Hub. Pourquoi pas, je te le dis. Pourquoi pas? Après tout, hey, on va pas l'empêcher d'être ce qu'il est, ce hub. En tout cas, si on est amico, je crois qu'on a accès normalement déjà au système, ce qui serait génial.
ce qui serait génial. Donc comme je disais dans la partie où vous n'avez pas pu entendre, une fois qu'on aura normalement donc le pass pour Aliot directement, une fois qu'on aura ce pass et qu'on aura donc préparé notre vaisseau à SP Explorer. Alors Town Z Ah, je l'ai vu! Je l'ai vu! Il y a 12 SL. Dis-moi que tu as 12 SL. Et pas 12 000 SL. S'il te plaît. Je viens d'en faire 100 000. 130 000. Auras-tu le. Oh putain. Il est loin. Il est loin, chers amis. Bon, c'est pas grave, on y va. Donc, je vous emmènerai, donc une fois qu'on aura ce vaisseau, donc l'ASP Explorer, je vous emmènerai dans le système Merop. Et je vous montrerai quelque chose sur une planète. Quelque chose de très mystérieux, de très particulier. Je vous rappelle que le système Merop est le système, entre guillemets, ciblé par les balanes. Donc, des espèces de. D'objets organiques. Enfin, fait d'un alliage métallo-organique. Qui sont tous, entre guillemets, pointés vers le système Merop, très précisément. Et alors tous, hein. Et donc on peut en trouver plusieurs à environ 130, à moins de 130 années-lumière autour du système Merop. Merop, M-E-R-O-P-E. Voilà, pour ceux que ça intéresse au niveau du background. On ne sait pas ce que c'est, on sait que ça ne devrait pas tarder à arriver dans Elite Dangerous. De là à savoir exactement ce que c'est, on n'en sait rien. Moi, je vais, chers amis, je vais faire encore une fois une ellipse et on se retrouve tout de suite. Heureux, chers amis, alors nous y voilà, nous revoilà donc à environ 5 SL de Townshend Hub. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Hein. Une fois qu'on aura rendu cette quête là, on partira pour Aliot, j'espère. Je l'espère. Je sais pas du tout comment ça va se passer, à vrai dire. En douceur. Oh, elle est peuplée, cette planète, dis donc. Elle est bien lumineuse. Alors. En douceur, tiens, on pourrait d'ailleurs aller voir. En fait, je suis trop stupide, mais je devrais faire ça. Aucune autorisation de système pour l'instant. Bon bah c'est pas encore ça alors. Alors. On y est presque. Ready to go. C'est parti. Alors. Nous y voilà. Vous savez quoi? J'ai bien envie de le faire moi-même, l'appontage. Ça vous tente? Ok. Parce qu'il est temps de s'y mettre, hein. Parce que là, on est même pas en face. Ok, en douceur. Et plateforme numéro 15. Et bien soit. Landing gear deployed. Hop. Je la vois. Et ben non, trop tard pour le scan. Quel dommage. Il n'y avait rien à voir. Hop. Là. En douceur, hein. Ça se passe bien, ça fait longtemps. On va baisser un petit peu la vitesse. Hop. Voilà! En douceur, chers amis, merde!
On va quand même le réactiver pour la forme. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas réparé sur place. Ok, nous y voilà. Donc, alors, tableau d'affichage. Ah cool, pour Elliot indépendant en plus, génial. Amical, ressort, essor économique. J'allais dire ressort économique. Ça va pas le faire. On peut pas y aller alors, on va faire quand même une vérification. Si je veux aller à Elliot. Elliot. Je peux y aller? Faisons l'essai après tout. Il m'a pas mis, normalement il faut auto... Normalement c'est marqué autorisation sur la droite. C'était pas marqué. En tout cas s'il faut aussi peu de choses pour être copain avec Elliot. Bah moi ça me dérange pas en soi, mais enfin bon. Hop, c'est parti. Hop. On va rouler à 70. Me rentre pas dedans. Moi d'abord. Ok. Nous voilà partis. Croisez les doigts, chers amis. Croisez les doigts. Hop là. Ah oui, change gravitationnel. Oh putain, j'ai eu des boules. Je suis trop con. Et... Ah, vous avez perdu des autorisations. Ah, ça m'a tué. Ah, ça m'a tué. Ah. Bon, on y retourne. Docking request denied. Vous allez vous approcher. Ah bah, je suis pas, attends, je suis trop loin. En plus, je suis loin. Alors, attendez, moi j'en profite pour aller voir. Hop. Pendant qu'il atterrit tout seul, comme un grand, je veux aller voir le rang qu'il faut pour être copain avec Elliot. Alors. Il a dit The Capital of the Alliance, vous devez avoir la réputation d'allié. Oh, c'est plus qu'amical. D'accord. D'accord. Donc allié, chers amis. Alors. Est-ce qu'on a des quêtes à prendre dans cet endroit qui permettrait de nous rendre alliés, donc, avec... Landing gear deployed. Faction principale, faction secondaire, alliée, amicale. J'ai pas de... J'aurais bien aimé avoir une barre. Dommage. Bon, bah, allié alors, chers amis. Il faudra être allié avec eux, carrément, pour pouvoir espérer les rejoindre. C'est super sécurisé. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a donc, quoi? Hop, faire le plein pour la forme. Tableau d'affichage, hop. Edmund. Ok, c'est cool, on n'a rien ici. Elle est indépendante. Commerce équitable. Inaccessible, dommage. Livraison express. LHS 2789. Effet sur la réputation moyen. Bon, bah écoutez, on va prendre ça. Hein. Hop. Hein, t'es fier? Station cible. Mais c'est... Je les ai déjà. Faut que j'aille ici pour donner. What? Vous allez voir, ça va me la valider automatiquement. Voilà. Ah non.
Ah non, il fallait que je les récupère. Oh. Alors ça s'appelle livrer la cargaison, mais on les a pas. Eh bah va te faire entuber. Ça franchement, voyez-vous, je déteste ça. Que normalement, enfin moi ce que je comprends c'est que normalement c'était faisable. 9 générateurs, bah va te faire entuber. Je t'ai déjà dit d'aller te faire entuber. Premier maître, rang combattant minimum requis, maître, relation requise, allié, ah bah oui. Bon, c'est pas grave, on y va. Faut aller où? LHS 2789. LHS 2789, on y va. Décollage. On y va, on se barre. Faut ma réputation, chers amis. Hop. Là, on va rouler un petit peu plus vite que d'habitude. On va rouler à 80, excès de vitesse. Incroyable. Gros vaisseau. Très très gros vaisseau. C'est un Lacon type 9 lourd. Très précisément. C'est pour ça que j'ai insisté sur le très très gros. Bourrage! Bourrage! Hop là. Allez! J! Non, marche pas. Encore un peu. J! C'est parti, allons-y. On va aller livrer donc la station Cupracoc, hein, comme dirait comme dirait Cartman, avec un bras en céleri et une jambe en Patrick Duffy. Alors. Alors. C'est bon. Parfait. Hop. Bah merde, elle y est pas. What the fuck? Qu'est-ce que... Je veux bien aller là, mais d'une, c'est très très loin, et de deux... What the fuck? Mais non, c'est un soleil. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous êtes en train de me dire que je vais devoir aller chercher la station? Attendez, vous êtes sérieux là? Attendez, c'est quoi ce bordel? Champ d'astéroïdes. Attendez, un instant, je reviens, chers amis. Chers amis, j'ai peut-être trouvé un moyen de... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Que des planètes, mais il n'y a plus la station. Mais c'est quoi ce bordel? D'accord, donc elle est ici. Ok, bon bah écoutez, on a peut-être trouvé alors du coup. What the fuck is that, quoi? Incroyable, je m'attendais vraiment pas à ça. Eh ben on y va. Une ellipse, le temps qu'on se retrouve là-bas. Hop, je vais accélérer un petit peu parce que quand même il y a quand même 1500 vaisselles. Heureux, chers amis. Alors, il semblerait qu'en fait ce système, enfin cette planète,
Et ce qui va avec, oui, analyse en cours, regardez à gauche. Alors je suis aussi surpris que vous, hein. En fait, il semblerait que ce système ait été remodelé au niveau d'horizon. Donc il faut que je m'en approche suffisamment pour pouvoir les détecter, d'accord, ok, ça c'est bon à savoir. Pour pouvoir les analyser. Et donc avant, ce point était censé être une station, je crois. Enfin bon, c'est un bordel quoi. Incroyable. Absolument incroyable. Et je vais arriver en plein devant, en plein dedans ou... Si je vais en plein dedans, peut-être que je m'écarte un peu. Il semblerait que je vais arriver en plein dessus en plus. Finalement ça ne me dérange pas, mais enfin bon. Cru pétrolé, putain je le vois. Orbital flight engaged. Alors. Ça peut être intéressante en plus. En tout cas, c'est l'impression qu'elle me donne. En approche. Oh, elle est au bord de la montagne. Si c'est le cas, c'est magique. Hein. Et je crois que c'est le cas. Sincèrement, chers amis, je crois que c'est le cas. Génial. Génial, génial. Franchement, là je suis partant moi personnellement. Sorti de l'orbite de croisière. J'espère que ça ne va pas bugger comme la dernière fois. Hop. J'espère que ça ne va pas bugger comme la dernière fois. Ça fait une soixantaine de kilomètres. 50. Annulation de la descente. Ça faisait une trentaine de kilomètres. Et c'était un peu beaucoup. C'était clairement beaucoup, j'ai été très optimiste. Eh ben écoutez, ellipse, moi ça me permet de vérifier si tout se passe bien au niveau du tournage, pardon. Heureux, chers amis, alors vous savez quoi, moi j'ai décidé qu'on allait plutôt se poser et envoyer le SRV, parce que vu là, regardez la qualité de l'endroit. Ça pourrait être sympa. Il faut trouver une surface suffisamment plane pour accepter qu'on s'y pose. Alignement OK. Terrain inapproprié. Ah. Voilà. Vaisseau sécurisé, déployé. Et on va y aller en SRV, chers amis. Ça va nous changer un petit peu. Oula, il a pris des dégâts au niveau du bouclier. Non, c'est bon, ça remonte tout seul. Et donc, ce qu'on va faire, chers amis, c'est qu'on va... Hop, voilà. On va renvoyer le vaisseau. C'est parti. Je pars plein... Merde. Je sais plus dans quelle direction faut que j'aille. Pas dans celle-là. Oui, c'est par là, c'est mieux. On y va. Alors. Une quinzaine de kilomètres à faire, ça devrait se faire assez vite, hein. Ah, le caillou. C'est pas grave, tout va bien. Hop. Alors cherche encore les touches, chers amis, ne vous inquiétez pas. Hein. N'ayez pas peur.
Hop. Ah. Dérapage. Pas du tout contrôlé, hein, bien sûr. Hop. Ici. On devrait pas tarder à la voir de toute manière. Oh la vache. Ah, la route est violente, hein. Soit en vacances. Un petit chemin de terre. Oh putain. Wow. Ok. On sent pas trop mal, on roule bien là. Oh là. C'est bon. On se prend des dégâts mineurs. J'avais plus d'énergie pour pousser. Oula, là ça risque d'être violent. Ok. C'est bon. Nous voilà repartis. Ah, quand ça descend, c'est catastrophique. Ok. Non. Hop, je vous rappelle que je joue au volant. Hop, parfait. 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 Attention, quoi, 50%. Catastrophe. Catastrophe, catastrophe. C'est bon. Redresse-toi. Parfait. On tourne par là. On en est encore loin, hein, j'ai l'impression. 4,5 km. Oh nom de Dieu, la descente va être violente. Ok. Waouh. Catastrophe. En douceur. Allons-y en douceur. On peut voir qu'on a une gravité de 0,15 g, ça veut dire qu'au lieu de peser, vous pesez donc que 15% de votre poids. Ici. Personne qui pèserait donc 100 kg n'en pèserait plus que 15. Non. Oh là 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 là, c'est parce que j'ai des erreurs dans mon paramétrage. Fait que tout se passe de manière catastrophique. Ok, on tient le coup. Plus que quelques kilomètres. Catastrophe. 23%. Et donc 15 km, c'est les 15 km de la mort, hein. Donc ça va être ça l'épisode, hein. J'ai l'impression qu'il y a encore un putain de dénivelé à faire. Ouais. C'est le dénivelé de la mort, comme on l'appelle par ici. Alors la question est la suivante, est-ce que je vais pouvoir avoir accès attendez, 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 juste pour faire le test. Hop. On n'a plus de danger, trop de par là normalement. Demandez l'appontage. Ok.
Attends, atterrissage neuf, pourquoi pas. Est-ce que je peux aller à la zone de stationnement? Mais d'accord, j'ai fait une demande d'appontage. Donc est-ce que ce serait mon vaisseau qui serait là-bas au final? Commandant Marcus Bonus, oui, d'accord, ok, donc c'est bien moi. Mon vaisseau est en fait allé se poser là-bas. Alors, évitons de crever pendant qu'on est dans la ville. Putain, ça c'est catastrophique. Hop. On a 1,5 km à faire pour rejoindre le vaisseau. Remarque, on aurait pris l'autoroute. C'est pas, chers amis. Hop. Passer par là. C'est vrai que je suis à pleine balle sur l'accélérateur, remarque. Allez, tourne. Enfin bon, faut bien que ça roule un petit peu quand même, hein, merde. Alors, on va avoir un souci. Ok, là on est bon. Donc on avait dit la première à gauche. C'est ça, hein. Et ensuite à droite. Alors. Alors. Comment suis-je censé retrouver l'intérieur cosy et chaleureux de mon vaisseau? Car oui, hein, mon vaisseau est chaleureux. Et cosy. Ah ! Ok, c'est très bizarre. Bon, bah un instant, je vais chercher sur internet. Heureux, donc, bah normalement, je me suis pas trompé, hein. Je me suis pas trompé, normalement. Bon, peut-être qu'on n'était pas dans le bon hangar. Non, c'est bon, ça se passe tout seul. Moi, censé être ici. Et voilà. En fait, non, c'était bon. Ici, embarqué. Et donc là, vous voyez, hop, on descend. Et notre VRS rejoint tout simplement le vaisseau. Donc c'est cool, en fait. On a rejoint vraiment la ville en VRS. Moi, je trouve ça génial. Faire le plein. Tableau d'affichage. On va pas passer à Lille aussi rapidement, je pense, hein, mais bon. Hop. Et hop. Amical. Bon, on est toujours qu'amico, hein. Est-ce qu'on a quelque chose qui va sur... Non, on n'a rien. Eh ben écoutez, on va se rentrer. On va se rentrer littéralement, chers amis. 78 sur CA Majoris. Ici. Et on se laissera là pour cet épisode, une fois qu'on sera rentré. À la station. On trouve pas grand-chose de... Comment dire ? Hop, de très pratique pour nous. Par contre, on va en chier à sortir de cette ville. De cette planète, pardon. Hop. Donc, je vais garder le point d'évitement en face de moi. Vous voyez, parce qu'on a encore le facteur de masse. On n'est pas assez haut.
Là, on devrait être bon. Hop. 3, 2, 1, engage. Pow! Parce que là, ça devrait aller un peu plus vite. Hop. On est qu'à 1 km seconde, 2 km 5 secondes, c'est rien quand on y pense. 3 km, enfin si c'est rien, mais enfin bah, c'est rien, tout est relatif bien sûr, mais enfin. Dans l'immensité de l'espace, ce n'est rien. Ok. Bon. C'est parti! C'est parti! Appelez Friendship Drive Charging. Non, je ne décélérerai pas. Planète Doudoune. Ils sont passés sur France 3, je crois, récemment. France 2. Bon, enfin bon. Tout ça pour dire que le commandant Marcus Bonus est encore dans la partie, hein. On verra bien ce que ça peut donner. Elle. Alors, son du tour c'est Majoris. Sedon Gateway. Nous voilà partis. Hop. On va bien voir donc s'il y a une quête. Je la prendrai et je la ferai pour vous dans le prochain épisode et pour moi immédiatement. Bon. Bah ce jeu est encore vraiment, vraiment génial à jouer. Hein. Là, la petite séquence de SRV était vraiment cool pour moi à piloter. Hein. Il y avait du danger, il y avait du risque. Oh mon dieu! J'aurais très bien pu ne pas y arriver. Vais-je y arriver? Ce sera le nom de l'épisode. Vais-je y arriver? Que vous ayez le suspense jusqu'au bout. Et je baille en même temps, c'est terrible, c'est affreux. Mais il se moque de nous. L'amour s'amène et nous, pauvres pouilleux, il nous laisse tous les deux. Sous les diamants des étoiles, quel magique univers, mais dans cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air. Mais ça c'est normal, j'ai pété dans le vaisseau. Alors, enfin non, c'est Terence et Philippe que j'en ai avec moi et qui ont pété dans le vaisseau. Mais c'est rien, les pauvres, c'est comme ça qu'ils rigolent, hein. faut bien leur laisser ça, merde. Alors. Alors. On approche. Et c'est bon. Sedon Gateway. Hop. Cible. On attend un petit peu. On booste. Hop, c'est bon. Décélérer et nous y voilà. Bon, alors moi je vais noter le nom de l'épisode. Hop. Ce sera du rouge. Tiens, hop, pour la peine. Vais-je y arriver? Scan detected. Voilà, scan detected. Non mais oh, on se calme, monsieur l'agent. Moi je connais des gens, hein. Je connais des gens qui sont flics. Ils font pas comme ça. Ils demandent d'abord. D'abord on se gare sur le bas-côté et on se fait pas scanner sauvagement. Alors. Au final j'ai aucune idée de la durée de l'épisode. Avec toutes les ellipses, tous les trucs, tous les machins, tous les bidules. J'en ai absolument aucune idée. Landing gear deployed. Bobo. Alors, ce serait cool par exemple, vous imaginez quand vous demandez l'accès à la demande d'apprentage, une petite interface qui s'approche avec le visuel de la personne qui parle dans la station, par exemple, si c'est un homme ou une femme. Qui vous indique que vous pouvez vous stationner en place 3 par exemple, ce serait cool, ce serait carrément cool. Ok, bon bah écoutez,
service de spatioport, pas entrer dans le hangar, pas besoin, vu que je vais continuer à tourner ensuite. Hop, faire le plein, tableau d'affichage. Alors. Elliot indépendant recherche un nouveau genre de cartographe. Volé, d'accord. Ok, bah non. Commerce équitable. Champion de livraison multiple importante. Pour commencer, le pilote devra livrer un colis sur BB-Doc. Il recevra de plus en plus d'instructions à l'arrivée. Bah c'est ce qu'on va faire, tiens. Voilà, chers amis. Donc ça, c'est, en fait, ça c'est une des fameuses quêtes arrivées donc via... mince, je vais y arriver. Horizon, qui est en fait une quête en plusieurs lieux de livraison pour celle-ci. Donc voilà. Voilà ce qu'on va faire dans le prochain épisode, chers amis. Eh bien écoutez, merci d'avoir aidé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, donc faire trop le lien dans la bannière de la chaîne, n'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode, dans la bannière de la chaîne aussi, vers donc la chaîne Twitch, vers aussi donc mon partenaire Games.com qui m'a gracieusement offert, Gamesplanet.com, je vais arriver à le dire un jour, hein, qui m'a gracieusement offert donc Fallout 4, Mad Max, Star Wars Battlefront ou encore Agatha Christie, The ABC Murders, donc moi j'accepte cette quête, voilà, je vais y arriver. J'accepte cette quête, chers amis, et je vous dis à plus pour d'autres vidéos et à tout de suite dans un nouvel épisode pour ceux qui regardent la playlist. J'ai cru qu'il y avait un truc qui me semblait bizarre, mais non, c'est bon, ça va. A tout de suite et à plus. Ça va, c'est dépensé comme vous voulez. Hein.